Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va terminer ce mois de janvier avec de la marche active. On travaillera aussi bien les bras, les jambes et le cardio. Si vous voulez, vous pouvez prendre également des petites haltères ou des bouteilles d'eau. Allez, on commence tout de suite par le petit échauffement. Allez, on inspire, on se grandit et on souffle, on relâche. On reprend ici les bras, on monte et on descend. Encore, inspirez, soufflez, on va chercher bien au plafond et on redescend sans monter les épaules et on relâche. Dernière fois, on reste en haut et on va incliner à droite et à gauche. Allez, on tire sur le bras pour incliner la taille. On va chercher loin, toujours le ventre serré. Et on fait pareil ici sur le côté, on tourne la taille sans bouger les hanches, sans monter les épaules. Et on fait des cercles de bras, on va chercher loin devant, loin derrière. Inspirez, soufflez, descendez. Allez, cette fois-ci, on fait des cercles avec la hanche. On monte le genou, on ouvre le genou sur le côté. Allez, en alternance. On monte bien le genou. Allez, dernière fois. On reste ici, on décolle juste les talons. En alternance toujours. Et toujours le ventre serré. Et c'est parti, on marche. Allez, petit rappel. On monte bien les genoux, on fait aller ses bras sans monter les épaules. Toujours le ventre serré. On souffle bien. On respire bien. Encore, encore. Allez, on travaille les bras, on part en biceps, on colle les coudes. Paume de main vers moi, si vous avez vos haltères, prenez-les. Sinon, serrez les poings et on monte, on descend. On ne décolle pas les coudes de la taille. Souffle, on ramène. Encore. Allez, on reste jambes ouvertes, pieds un peu vers l'extérieur. On descend et on remonte. On inspire, on souffle. Fesses en arrière, genoux au-dessus des chevilles. Allez, comme si on voulait s'asseoir. Inspire, souffle le ventre, souffle, rentre le ventre, serre les fesses. Et souffle. Et part en talon fesse. Tire les coudes vers l'arrière. On pose bien le pied au sol. Toujours souple sur les genoux. Marcher. Allez, dynamique la marche. On y va, on baisse les épaules. Les bras, on n'oublie pas. Encore. On serre le ventre. Allez, on repart en step touch, bras devant, on monte, on contrôle la montée, on contrôle la descente. On ne monte pas les bras plus haut que les épaules et surtout on ne monte pas ses épaules. Souffle sur les genoux, toujours.
reste à nouveau ouvert et on reprend les squats. Toujours les pieds vers l'extérieur, légèrement, pas en canard. Allez, on descend. Les fesses en arrière. Souffle. Encore. Allez, on lève les genoux en alternance et on tire sur les bras. Allez, on va chercher très haut au plafond et on ramène vers le genou. Encore. Allez, on marche. Allez, on va reprendre les bras, les squats et un petit enchaînement de talons, de genoux. Vous avez compris le principe. Toujours, on marche, on récupère. Dynamique. Allez, pars en step, touch à nouveau les bras. Cette fois-ci, on lève sur le côté. Si ça va trop vite, en deux temps, monte, descend. Sinon, toujours avec vos haltères, si vous le souhaitez, on contrôle la montée, on contrôle la descente. Et toujours, on monte et on ne dépasse pas ses épaules. Ici, on repart en squat. On souffle, on remonte. Encore. Allez, tranquille. Les fesses bien en arrière. Et ici, on lève la jambe sur le côté. On serre la fesse pour monter bien haut la jambe. Et on monte le bras opposé à la jambe. Encore. Toujours dynamique, un peu plus rapide les bras. Toujours les genoux bien haut. Encore, encore. Allez, on reprend, step touch ici, les bras, hauteur des épaules, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. On ne baisse pas les bras, on ne monte pas plus haut que les épaules. Allez, on essaye un peu plus rapide. Là, on contracte bien ses bras. On serre les poignets, les paumes de main. Si on n'a pas d'haltère, on reste ouvert et on repart en squat. Allez, encore. Les genoux toujours vers les orteils. Ne rentrez pas vos genoux. Inspire, souffle. Allez, petit kick devant et on balance les bras. Rotation de la taille. Encore. Bras opposés devant, bras opposés à la jambe. Et
marcher. Allez, on y va. Soufflez bien. Encore, encore. Allez, on repart en step touch. On tend les bras, on pousse vers l'arrière. Le bras est bien tendu, on contracte ses triceps et on pousse bien derrière. On s'arrête au niveau des fesses. Tonique, tonique. Soufflez bien. Et on reprend ici les squats. Souffle. Encore. Allez, encore. Soufflez bien. Et on va taper sur le côté et allonger le bras à l'opposé. Allez, on allonge bien la jambe, on allonge bien le bras. On souffle. On tire le bras. On allonge la jambe. Encore. Et on marche. Allez, dynamique, dynamique. Allez, on monte bien les genoux. On fait aller ses bras pour travailler ici les obliques. On baisse toujours les épaules. Soufflez bien. En step touch, on monte le bras droit, on attrape son bras et ici on tend à chaque fois. On garde le bras bien près de l'oreille, on tend maximum, point serré ou avec son haltère et on sent la contraction à chaque fois qu'on tend le bras. Encore. Prends les squats. Allez, inspire, souffle. Encore. Allez, on descend un peu plus bas à chaque fois. Et ici, on tape derrière. Genoux bien fléchis, jambes bien tendues derrière et genoux fléchis devant. Pousse les bras au niveau du front. Encore. Et marchez. Allez, on souffle bien. J'ai ma mémoire qui fait défaut. Je sais plus trop où on en est. J'espère que je me suis pas trop mélangé les pinceaux. Allez, marchez, marchez. Que je n'ai rien oublié surtout. Allez, on part en step touch. On lève le bras gauche et on y va, comme là tout à l'heure, avec l'autre bras. Souffle étend. Allez, on tend au maximum. On garde le bras bien près de l'oreille. Et on reprend
nos squats. Allez, pour des fesses magnifiques, on travaille aussi les articulations. Si vous partez au sport d'hiver, c'est parfait. Allez, on inspire, on souffle. Encore. Allez, reprends talons-fesses ici, on tire les coudes. Allez, un peu plus dynamique. Bien les genoux fléchis. On souffle bien. Et reprend marcher. Allez, on souffle. Les bras, dynamique. Allez, on va reprendre les step touch. On y va, un bras en haut, un bras en bas, on alterne. On va chercher loin, vers l'arrière, sans creuser le dos. Et ici, on serre le ventre. Allez, cherchez loin, bras bien tendus, sans monter les épaules. Et ici, on reprend les squats. Inspire, souffle. Encore. Serre le ventre. Toujours les genoux au-dessus des chevilles. Et on reprend. Monte genoux. Tire sur les bras. Encore. Allez, on va chercher au plafond, très haut. Et marcher. Allez, on récupère ici. N'oubliez pas d'aller boire. On va reprendre le step touch. Prêt? Step touch. Bras en chandelle. On ferme, on ouvre. Allez, on travaille la poitrine. Soit lentement, soit rapide. Les coudes hauteur des épaules. On ne les descend pas. Et on fait toujours un angle droit avec ses bras. Encore. Allez, on reprend les squats, on y va. On serre les fesses, on n'oublie pas. Serre. Allez, on descend un peu plus bas qu'au début. Toujours les genoux bien dans l'axe. Allez, jambes côté. On tire le bras à la jambe opposée. Encore. Allez, on y va. Et
Et marchez. Allez, dynamique, dynamique. On monte bien les genoux. Toujours. Soufflez bien. Allez, on va continuer à travailler la poitrine. On repart en step touch. On joint les mains ici, coude rapproché. On pousse vers le plafond. On rapproche au maximum les coudes. On souffle, on monte. Encore. Allez, on reste ouvert et c'est reparti pour les squats. Inspire, souffle. Encore. Allez, souffle. Et on est parti pour les kicks. Et on balance les bras. Allez, on se grandit et on pivote la taille. Juste la taille. Les hanches de face. Encore. Et marchez. Allez, il nous reste deux enchaînements à voir. On y va. À fond, à fond. Allez, on repart en step touch. Ici, on monte les bras au plafond par les côtés. Ou doucement. Ou rapide. Les bras bien toniques. Sans monter les épaules. On serre le ventre pour ne pas creuser le dos. Encore, encore. Allez, on reprend les squats. Avant-dernier. Souffle. Allez, on descend bien. Toujours les fesses en arrière. Le dos bien droit. Encore. Et on retape sur le côté et on rajoute le bras. On peut rajouter un petit saut si on veut. Encore. Allez, encore, encore. On y va, c'est le dernier mouvement. Allez, dynamique, dynamique. Soufflez bien. Allez, dernier mouvement pour les bras. On y va, on part en step touch ici. Cercle de bras, bras bien tendus, on va chercher loin devant, loin derrière. On souffle bien, on tire sur le bras. Encore. Encore.
dernière fois les squats, on y va. On souffle, on inspire, on souffle, on serre les fesses, on serre le ventre. Le dos bien droit. Les genoux vers les orteils. Encore. Allez, on tire cette fois-ci la jambe derrière, les deux bras au niveau du front. Jambe devant fléchie. Jambe derrière tendue. On va chercher loin derrière. Encore, encore. Soufflez bien. Et marchez. Allez, on y va encore. Les dernières 30 secondes. Soufflez bien. On monte bien les genoux, on fait laisser bras. Allez, on relâche les bras. On fait encore aller ses jambes. On monte bien les genoux. Le dos bien droit. Allez, on relâche les genoux, on tape juste devant, tranquille. Allez, on ouvre les jambes. On inspire, on se grandit. On tire sur les bras. Et on relâche le tout. Allez, encore une fois, on inspire. On se grandit, on va attraper son poignet gauche et incliner à droite. Sans faire partir ici la hanche. On tire sur son bras pour étirer la taille. On revient au centre. On attrape son poignet droit et on incline de l'autre côté. On revient au centre. On relâche le tout. Allez, on enroule la tête. Les épaules, les pieds sont parallèles, les jambes sont fléchies, on descend jusqu'au sol. On met les mains au sol ou sur les tibias, on va tendre les jambes. On relâche bien la tête, on relâche les épaules. On rapproche le buste des jambes, on regarde loin entre ses jambes. Puis on fléchit, mains sur les genoux et on déroule tout doucement. On va joindre les mains dans le dos. Paume de main au plafond. On va tendre les bras. On sort la poitrine. On baisse les épaules. On décolle les bras du buste. Et relâchez. Allez, dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Alors la semaine prochaine, on fera une semaine express spéciale marche active, un peu de renforcement musculaire aussi et du cardio. Et on refera également une semaine rien que de la marche active la dernière semaine du mois de février. Mais on se retrouve sinon samedi avec du pilates pour travailler les muscles profonds. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse très fort.